Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Je toujours dit Haïti trop riche pour le pauvre. Mais en réalité, c'est ça lié à. Chaque année qui passe, on a l'impression qu'on plus pour du pauvre que tout l'autre bagaille. Qui ça fait, je dis, à nous là toujours? Pour qui ça, la pauvreté a traîné comme ça depuis plusieurs années? Qui ça fait pas qu'à créer richesse dans le pays? Ça, qui a amélioré tout bon vrai. Conditions, la vie mounio, c'est quelques points. Nous allons regarder matin hein, avec un entrepreneur, un monde qui font études sur la question ça. Et pas seulement Gala, il faut regarder de l'autre pays qui est au même tout à même niveau avec le pays noir. Et puis, ouais, tout qui sa recommandation capable pour nous sortir dans ce nouvel là, même si ce n'est pas qu'on a maintenant à D et Cap Vigno. Voilà pour précision, nous allons faire matin la mise au point avec l'entrepreneur Daniel Jean-Louis. Qu'accepter et répondre à une question télévision nationale d'Haïti. Monsieur Jean-Louis, bonjour, bienvenue sur TRH. Bonjour, Serginho, c'est toujours un plaisir pour moi avec vous dans l'émission Mise au Point. Bonjour à tous les téléspectateurs qui ont regardé. Parfait. Alors, dernière fois, nous avons parlé sur la publication là, et oui. Dans la Mise au Point. Oui, oui. Mais après l'émission, ça, vous remarquez une certaine présence sur Facebook, notamment, avec des entrevues qu'on choisit de réaliser pour que ça soit ça. Bon, je choisis de réaliser des entrevues parce que moi, j'ai un peu le monde qui a fait des bagages très positifs dans la société, qui ont une présence minimale dans les médias traditionnels. Et moi, c'est Facebook et les réseaux sociaux offrent un canal qui est le moins cher possible, avec le plus de visibilité possible, pour te permettre que plus de monde ait accès avec les gens de nouvelles positives. Parce qu'on est capable de garder des nouvelles qui ont dominé. Actualité à ces dernières années, ou bien dans 6 mois que se passe, là, c'est question gang. Et ça est important pour moun yo konnen tout. Mm-hmm. Mais il faut yo konnen que, au-delà de nouvelles que vous consommez, c'est souvenir. C'est-à-dire, sur un bout, peut-être tout de la pauvreté, de la maladie, finalement, pas développer un esprit créatif qui peut permettre de développer tout. Donc, bah, ces réseaux sociaux sont bagailles qui permettent que je fais ça. Et c'est que jusqu'à maintenant, nous faisons très bien. Alors, ce qui critères utilisé pour choisir les personnalités, quoi peut-être vous? Bon, critères, c'est des gens qui ont fait des bagages positifs, que moi-même, personnellement, m'estimais qui positif en rapport avec valeur PAM et qui ont des impacts qui mesurables. Par exemple, dernièrement, j'ai invité Sonny Lamar, qui sont très bons amis. Et c'est un monde qui travaille dans la question communication. Comme un outil de développement pendant très longtemps, et c'est un monde aussi qui est dans l'éducation. Et j'ai interviewé lui Henri Mars, qui est un monde qui travaille dans la question de la paix et dialogue avec gang eux-mêmes, justement, depuis avant 2004, et qui a eu le succès, alors que le travail, ça, il manque connu du public, et aussi les leçons apprises aussi. Ce grand pile bagaille que qu'a fait dans la société là, c'est des bagailles qu'a répété. Mm-hmm. Alors que dans la répétition, il y a des bagailles nous t'es capable d'apprendre qui pour permettre nous résoudre des problèmes plus vite et moins cher aussi. Donc comment le feedback là par rapport avec entre vous ça? Très positif. Il y a là-dedans qui atteint jusqu'à presque 50 000 views, très interactif aussi, mon yo bah en pile commentaire, et moi bah, c'est que c'est vraiment intéressant. Yeah. Jusqu'à maintenant, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Alors, mais ça, qu'on voulait faire passer, hein? Est-ce qu'on estime jusqu'à présent ou sur route là, ou bien qu'on doit améliorer, non? Bah, c'est que au fur et à mesure, on a continué à améliorer et peut-être nous avons augmenté plus présence sur plus réseaux sociaux, par exemple un peu plus sur Twitter, plus focus sur Facebook, mais aussi on a augmenté présence sur Twitter, Instagram, TV. Qui a la possibilité pour nous upload de plus grands contenus ces jours-ci. Et au fur et à mesure que nous avons adapté, et aussi en présence aussi dans les moins de ces 60% de monde qui consommait contenu, ça aussi dans Port-au-Prince, avec 20% au Cap, etc. dans le Sud. Nous avons même plus de monde en provinciaux participer parce que franchement, ils ont coupé en fait de médias traditionnels qui existaient depuis longtemps par rapport avec. Manque de technologie ou bien parce que combien de télévisions, chaînes de télévision en fait qui arrivaient en rouge ou bien qui arrivaient terrier rouge, mais alors que les réseaux sociaux arrivaient eux-mêmes. Donc, c'est que nous avons travaillé un peu plus sur ça,
sur les zones rurales, comment nous sommes capables de plus mettre le contenu à la disposition pour aider les gens à développer la tête. Il y a des gens qui ont regardé entre vous, qui savent quoi tirer les films de la tête. Les gens ont plus ou moins ressourcé la tête pour apprendre de nouveaux modèles. C'est pour moi que ça a fait de nouveaux modèles de développement. Un nouveau modèle de développement qui est axé sur des socio-déterminants économiques, des variables sociaux. Et aussi en fait climat, changement climatique et communication, c'est un ensemble de déterminants qui jouent un rôle fondamental dans le développement économique et social qui est vraiment négligé dans la société noire. Que les gens comprennent que le développement c'est l'affaire économie, alors que l'économie c'est l'impact qui arrive dans le développement qui est planifié par le social, le culturel, la communication, etc. etc. Donc les gens, sans y pas réaliser, il y a une approche holistique du développement qui est basé sur des déterminants qui plus que l'économie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça à apprendre. Dans tout le temps que vous réalisez, qu'est-ce qui plus marqué vous? Qu'est-ce qui plus marqué? J'ai réalisé tout marqué, en fait. J'ai réalisé interview avec Emmanuel Adouillon, un jeune qui est dans Petro Challenger. J'ai fait interview again avec Gardi Jean-Marius, un jeune docteur qui a fait un travail très impressionnant en fait dans la communauté de Rousseau à La Caye, son zone qui est vraiment négligée, coupée du reste du pays. Ça l'arrivée fait dans la santé, qui est un déterminant remarquable en fait dans le développement, qui c'est un travail extraordinaire. M'interviewer Louis-Henri Mars, m'interviewer Sonny Lamar, tout ça c'est vraiment extraordinaire. Et de monde où il a contribué positivement et dans le travail ça. Mais dans l'interview ça, malgré que l'instabilité politique, la corruption, tout ça c'est des bagailles qui sont très présents, mais nous focus sur positif. Nous parler de bagailles négatives, comment nous avons surmonté, mais nous pas arrêter sur eux. Nous vraiment focus sur les questions positives. Quelles sont les leçons apprises? Comment la société est capable d'utiliser passé nous, vécu nous, pour nous propulser en développement économique? Son choix, on fait comme ça? Son choix très délibéré. Très délibéré. Parce que, quand même, la réalité est assez saliée. Et puis le problème, chaque fois qu'on obtient des radios, des télévisions, on a une question d'inflation, de chiffres. La réalité, on a une plus difficile chaque jour. Et puis on va parler de bagages positifs. Et on va dire, est-ce que Daniel Jean-Louis pas dans l'espace lui-même? Bon, écoutez, nous, là, nous méritons dans l'espace pour nous avancer quand même. On va priver dans l'espace, on va aller dans l'espace. Et maintenant, nous parlons de bagages défis. Nous parlons de défis, mais nous parlons de défis dans le contexte de développement. C'est-à-dire, nous ne pas arrêter à focus sur le défi pour arrêter sur le défi, nous expliquer le défi dans le contexte de développement. Ça veut dire que, et comment on peut utiliser la question dialogue pour la paix pour amorcer un développement économique? Comment on peut utiliser la question corruption? Hein? Comment d'autres pays comment qui historique dans la question ça? Et comment nous sommes capables de transformer en fait, pour venir un outil de développement? Alors, il y a un pile dans les données, là, on obtient des réseaux sociaux ou bien des médias traditionnels. Yo focus en pile sur aspect ça yo, mais yo pas fait transition vers le développement. Parce que la finalité en fait c'est le développement, c'est comment augmenter le standard de vie, le niveau de vie de notre population. Donc à moins que là nous parler de problèmes ça yo, nous transiter vers comment nous capable faire le développement, c'est que nous orienter dialogue ça yo vers le sous-développement. Parce que nous consacrer toute heure d'antenne nous célébrer même ces problèmes, alors que ces problèmes devraient être transformés, devraient être résolus à court terme et à long terme pour favoriser un mieux-être à la population. Alors vous pensez que nous avons utilisé pour les mieux comme opportunité pour nous arriver à un niveau de développement qu'on va parler là? Non, obligé. Parce que tout pays que j'étudie, en fait, j'étudie 38 pays, et pour me sortir deuxième livre, moi, qui apparaît dans un mois exactement. Et ça, c'est une bagaille que pays et qui en voie de développement ont fait. Ils ont utilisé un pile de problèmes actuels, ils ont étudié ou bien problèmes qu'ils ont gagné dans le passé, pour en fait proposer des solutions adaptées. Okay? Pour en fait proposer des solutions adaptées. Parce que si on avait étudié en fait
l'instabilité politique. On ne peut pas parler de violence seulement. Mm-hmm. La violence est perpétrée par l'instabilité politique. L'instabilité politique en Haïti, pendant les 50 dernières années, ça devrait nous dire quelque chose. Il faut étudier les faits sociaux, les faits politiques et les faits économiques pour pouvoir prendre de meilleures décisions de gouvernance dans l'avenir. C'est ça, en pile un pays qui en voie de développement ou des pays émergents aujourd'hui, il y a arrivé à faire un bagage. Comment le développement peut se planifier? C'est d'abord une question. On planifie le développement en étudiant les faits économiques et les faits du passé, politiques et sociaux, pour déceler de meilleures solutions ou bien de meilleures décisions de gouvernance, de politique, d'économique à l'avenir. En fait, ça, c'est un bagage que pays comme Haïti pas fait. Et c'est pour ça, par exemple, il y a une raison qui fait que nous travaillons très dur aujourd'hui pour nous rester pauvres. Parce qu'on n'apprend pas vite, on n'exécute pas les faibles traits d'apprentissage. Et c'est pour ça que nous payons très cher. Parfait. Alors, une question directe, puisque nous avons annoncé l'introduction et Daniel Jean-Louis, qui ça fait aujourd'hui, tenant compte de ça, il y a comme étude, comme données, qui fait que Haïti, dans le niveau de pauvreté, ça, toujours. Un, deux, trois. Bon, un, deux, trois. D'abord, c'est une question de planification. On n'a pas planifié le développement. Le développement, c'est aujourd'hui une science. Ça se planifie. Et comment, qui en sont sciences qui planifient? Moi, bon, deux outils de planification que pays qui émergent mettaient à disposition pour développer. Okay? Et quand je parle de développement, je parle d'un concept standard. Ça veut dire que, vu au niveau où on a la pauvreté extrême, on vit avec moins de 1,90$ par jour. Et puis, revenu au moins de 1,90$ par jour, on a la pauvreté extrême. Ça, c'est un concept standardisé par la Banque mondiale et reconnu dans le monde, la science du développement. Et quand ça plus fort, on a la pauvreté extrême. Hein? Oui, plus que 80%. C'est clair. Et on regarde là où sorti de là où est ça. Le niveau de transaction dans le secteur informel, par exemple, la quantité de richesse que l'on crée par jour, par permettre que l'on ait un revenu de plus de 1,90$ par jour. Okay? Et l'on regarde les mêmes gens qui travaillent dans la factory par rapport avec ça à rentrer et ça à dépenser. Okay? Différence là, par 1,90$ par jour. Okay? Le chômage est aiguisé. Hein? Bon, en fait, c'est un pays foncièrement en chômage parce que nous n'avons pas créé quantité d'emplois qui répondent avec besoin, qui répondent avec le problème du chômage. Tout à l'heure, on a parlé de la planification du développement. Ok, on s'est expliqué comment le développement est un concept standardisé. C'est-à-dire, on a parlé de développement, on a parlé d'un concept précis. Ok, le développement n'est pas planifié. Non seulement en Haïti, mais c'est dans l'ensemble des pays sous-développés. Ok, des pays comme le Tchad, la République centrafricaine, des pays comme le Yémen, des pays comme l'ensemble des pays que m'a décrit là, c'est des pays comme Haïti qui retiennent au niveau de sous-développement. D'abord, ils ne planifient pas le développement. Bon, deux exemples majeurs, comment ne pas planifier dans des autres plans. Des outils de planification qui vont exister dans la prise de décision de gouvernance dans le pays. Par exemple, le cadre légal. C'est ensemble des pays qui par jamais chita vraiment pour update cadre légal. Okay, là, je parle de cadre légal, je parle de politique économique, politique fiscale, je parle des lois sur les rapports avec la criminalité et sur le commerce digital, l'économie mondiale, les assurances. Et regardez, dans un pays noir, par exemple, et nous exactement tombé dans la catégorie ça. Okay, nous avons des lois qui datent de deux siècles. Okay? Et l'ensemble des pays sous-développés, c'est une caractéristique partagée en commun. Il y a des lois qui sont complètement désuètes. Qui ne sont pas adaptées à la réalité. Hein? Qui ne sont complètement pas adaptées à une loi qui a deux siècles. C'est-à-dire l'Internet, ça date de combien d'années? Alors que, par exemple, vous regardez que ce sont des pays qui... Et l'Internet représente aujourd'hui l'avenir du commerce mondial. Au capabilité aujourd'hui, des mondes qui étaient de firmes qui étaient par exemple au Japon, qui vendent pour des millions de dollars par rapport avec l'Internet. Ou bien, donc, ça veut dire que nous avons un cadre légal, par exemple, la loi du commerce qui date de deux siècles, alors que l'économie mondiale a fait un sursaut extraordinaire dans ces dernières années qui se sont passées là. Vous voyez? Donc, cet outil de planification n'a pas été innové, adapté, et formaté dans un contexte qui va propulser le développement. C'est une raison qui fait que
Et dans le cas là, les pays ont planifié le sous-développement, ils travaillent très dur pour être pauvres. Mon autre outil de développement, et outils en fait, nous-mêmes, nous utilisons comme des instruments politiques, au lieu de nous utiliser comme des instruments de développement. Il y a un outil, par exemple, le budget. Le budget, c'est un outil par excellence qui détermine l'exécution du développement dans un pays. Et si vous regardez dans l'année qui s'est passée, à l'instar de 2004, côté, par exemple, et soins de santé, nous avons un budget de plus de 10% là-dedans. Dans l'année qui s'est passée, là, pour les soins de santé, en fait, le ministère de la Santé a un budget de 6% ou 8% environ. Et vous regardez l'ensemble des pays sous-développés, c'est exactement ça qu'ils fait. C'est ça que la science, le développement devient une science. Pays émergents, 38 pays que m'étudier, ça au fait, c'est que, en majeure partie, ils mettaient plus que 15% d'un budget en santé. Plus que 15% d'un budget en santé. Pour qui ça en fait, je pense ça? Parce que santé a déterminé l'économie. C'est un conseil que je donne aujourd'hui, comme spécialiste en développement. Premier conseil, c'est un conseil de santé. Ne tombez pas malade. Parce que l'homme malade, le niveau de ressources que vous avez dans le monde par jour, il est déterminé à la quantité de cob que vous entrez, moins la quantité de cob que vous sortez. L'homme malade, premièrement, on ne peut pas entrer en pile. Deuxièmement, on sort en pile. Donc, sacrément, mon âme a diminué de jour en jour. C'est en termes économiques. Même en termes humains, l'homme malade, ou bien moins productif, ou bien. Par exemple, si une population qui a un niveau de santé inférieur, ou après la population ça improductif, ou après la population ça n'a pas un niveau de vie, pas un niveau de. Et qu'on y a là, il y a fait ce qu'on appelle l'index du happiness index. Santé, c'est un critère que ou pas capable productif, ou pas capable de vivre, ou pas capable de rendre une société productive sans un niveau de santé pareil. Donc, ce qui est déterminant, c'est que dans les pays qui développent, les pays émergents, ils ont consacré plus que 15% d'un budget, préférablement 20%, à la santé. Deuxièmement, dans l'éducation. L'éducation, c'est l'autre outil fondamental de base de support au développement. Encore, on en a parlé de développement, l'indice du développement humain, par exemple, c'est un concept qui est standardisé. Bah, les téléspectateurs ont regardé l'émission ça et puis pour eux dire que bon, quand on parle de développement, de qui soit parlé, bon, son concept subjectif. Non, le développement, c'est un concept objectif. Ça a rapport avec la quantité d'enfants scolarisés, la quantité de salles d'hôpital disponibles, la quantité d'emplois disponibles dans l'économie. Ça a rapport avec des critères précis, exacts, qui sont mesurables et qui sont capables de compter en dans la société. OK? Donc, l'éducation permet que ou améliorer tous les critères. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la santé comme un déterminant majeur dans le développement. Mm-hmm. Mais cependant, vous n'aurez pas de santé sans l'éducation. Faut qu'il y ait un mécanisme qui a formé les personnels de santé. Mais si on fait quoi avec pays, par exemple, les ressources surtout? Ou qu'a toujours besoin, ou t'as toujours alloué des fonds assez considérables, que ce soit dans cette bonne éducation, mais les ressources sont limitées, là, tout bagage c'est priorité. Est-ce qu'on peut arriver dans le niveau ça qu'on parler à tout? Non, il faut prioriser les priorités. Il faut prioriser les priorités parce que ressources-là, on pas gagner assez si on continue à investir dans des bagages qui pas prioritaires. Par exemple, on a regardé le Parlement noir. Est-ce qu'un Parlement qui sont organes de législation mérite plus que 15% d'un budget à plus que la santé? C'est de ça qu'on parle. En quoi est-ce que Parlement, qui sont Parlements qui sont surcharge en fait pour nous les contribuables, pour la société? Parce que quantité de ressources, 15% que vous allouez dans le Parlement, vous avez vu une fois, il faut la donner, vous avez vu une réduire là avec tel bagaille, mais sont un peu. En fait, réduire le budget, mais on a mis dans le ministère du plan. Bon, tu n'as pas quelle histoire de ce genre. Mais en quoi est-ce que l'on consacre plus de 15% de budget dans le Parlement et qu'on a besoin d'une meilleure santé dans l'année qui vient? Il y a un sénateur et député, par exemple, qui vient qui dit que, bon, nous avons besoin comme ça,
pour nous faire projet dans la zone, non? Alors qu'effectivement, il n'y a pas des organes d'exécution. Mm-hmm. Pas un organe d'exécution, c'est législation que tu as supposé faire. Il dit qu'il y a besoin comme ça dans le budget pour être capable de faire développement dans la zone. Mais pour qu'ils soient fait développement dans la zone, ou même comme législateur, c'est parce qu'on pas mis assez de dans le budget pour faire développement ça depuis l'année qui s'est passée. Donc, vous venez confronter toi en situation de fait. Mais alors, pour. Eh bien, vous dites nous là, on paye qui pour vous dire, c'est parce qu'elle n'a pas planifié le développement. C'est ça, il n'a pas planifié le développement. Voilà. Quel autre élément que vous élevez encore? Et pays qui pour vieux, alors, nous sommes parlé de ça, planifier le développement, il y a un rapport avec. Et il n'y a pas cadre utilisé légal. Les outils, les outils de planification nécessaires. Il n'y a pas un cadre légal qui est adapté. Et il n'y a pas gagné aussi, non seulement un cadre légal, il n'y a pas gagné des outils de budget, par exemple, ou bien d'autres outils de gouvernance qui sont adaptés à un programme de développement approprié. OK? Ça, c'est la deuxième partie qui rend la société SAO improductive. Alors, planification, les fondamentales, et c'est ça qui fait un pile dans le pays, ça je dis, a pas qu'arriver à aider la population, améliorer les conditions d'existence. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, regardez par exemple, pays émergents, pays qui font un pile développement, il y a l'autre bagaille qui fait, tout à l'heure, on s'est parlé de cadre légal et outils politiques, etc. Maintenant, on entre dans un plan économique. Et non seulement nous avons planifié. Et les cadres légaux, les updates, utiliser les outils de planification, gouvernance, qui baillent un système de gouvernance qui plus voué à l'économie, développement économique. Mais, il y a un autre bagage qui est très important. Ils ont alloué quantité de ressources d'investissement privé dans l'économie, ils ont mis plus d'investissement dans le secteur du service. OK? Secteur du service. Deuxièmement, ils mettaient moins de ressources dans la manufacture. Troisièmement, ils mettaient beaucoup moins de ressources dans l'agriculture. Ah bon? Oui. Et pour qui ça? Pour qui ça? Parce que, et Jodia, OK, Jodia, et avec la productivité mondiale, quantité de corps où tu as besoin, par exemple, pour produire un livre de maïs, si tu as besoin de 1 000 $ pour produire un livre de maïs, Jodia, c'est à peine sous besoin 100 $. Après la révolution industrielle, avec les techniques de production et la technologie, il coûte beaucoup moins pour produire plus dans l'agriculture. Beaucoup moins. Par exemple, moi-même, dernièrement, j'ai fait 3 ans de cela, moi-même avec un groupe d'Haïtiens, nous avons fait une expérimentation. Nous allons en Hollande, nous prêtons une machine, nous conduisons de Hollande à l'Allemagne, de l'Allemagne à la Belgique, de la Belgique à Paris. Pendant tout trajet, nous sommes en pile ferme, pas un centimètre que nous n'avons pas cultivé dans les zones rurales de ces pays-là. Mais ça nous paraît, nous avons en pile monde là-dedans. C'est quelques équipements, OK? Quelques équipements avec des techniques de manufacture qu'on a utilisées dans l'agriculture. Ils coûtent beaucoup moins pour produire beaucoup plus aujourd'hui. De ce fait, ces gouvernements-là, le conseiller chambre de commerce, l'organisation de développement, les firmes d'investissement pour investir plus, moins dans l'agriculture, mais pour obtenir un rendement supérieur. La même chose pour la manufacture. Mais si nous avons un exemple ça pour Haïti, là, nous connaissons l'activité agricole très prisée dans le pays. Dans la fraction haïtienne, c'est dans sa reversée qui permet que l'argent entre dans le poche. Et qui quand même ont certaines incidences sur l'économie pays, non? La production agricole haïtienne n'est pas productive. Ce n'est pas parler de la production nationale, c'est parler de la productivité nationale. La production nationale n'est pas productive, n'est pas rentable. Ce que vous pouvez comprendre. Pourquoi? Parce que il y a un pile d'intrants qui viennent trop cher à l'agriculture par rapport au coût d'opportunité. Parce que si vous regardez par exemple les produits importés, c'est ça qui fait que mon produit national, la production du riz par exemple, qui ciblait seulement un marché très restreint. Parce que le produit importé, parce que le subventionné côté le sotia, il fait avec une meilleure technologie, il vient moins cher pour le producteur local. Il vient moins cher. De ce fait, le marché du riz, c'est ça qui fait que nous-mêmes, on a produit moins de 20% de consommation du riz local, parce que le produit qui nous vient de l'extérieur est moins cher. Et c'est la même chose pour un pile de production que nous gagnons pour le moment.
Pour qui ça? Par exemple, pays que m'étudie, des pays comme le Ghana, des pays comme le Kenya, des pays comme le Vietnam, ils ont réduit la quantité d'investissement dans l'agriculture, mais ils ont une quantité de produits qui sont supérieurs parce que ils ont introduit des outils technologiques qui permettent de faire ça. Ils ont investi moins pour faire plus dans l'agriculture. Ils ont investi moins pour faire plus dans la manufacture. Ils ont investi moins pour faire plus dans le service. Mais là, est-ce que vous une place de choix accordée à la production locale qui pourrait faire que les producteurs qui sont sous place gagnent des conditions réunies pour produire en qualité et en quantité. Et là, ça, l'argent a payé dans l'autre pays au lieu qu'on a payé d'importer toute la journée. Oui, c'est sûr. Tout pays, ça, et encore, ça qui permet de faire ça, Serginho, c'est le cadre légal, c'est la gouvernance qui étudie les facteurs économiques, ça, qui dit, mon yo, mes côtés, nous conseillons d'investir, mes secteurs porteurs. Et dans l'autre pays développé, il y a des agences aussi qui ont fait étudier ça. Qui disent, mes industries qui sont porteurs, mes chiffres, et que nous avons conseillé de mettre plus d'investissements dans le secteur. Deuxièmement, encore, il y a des politiques fiscales, il y a des politiques douanières, par exemple, okay? Politiques fiscales, monétaires, que le gouvernement mette sous place. Par exemple, quand il y a là, nous avons une politique pénalisante de l'investissement ici. Pourquoi? Parce que quantité de seuil de disponibilité de COB qui existait dans la banque, OK? Le gouvernement ou bien la banque centrale l'a augmenté, c'est-à-dire que la banque a moins de COB qui est disponible pour faire des prêts. Bon, c'est juste pour, par rapport avec le dollar, oui, qu'il y a un goût de la pâte à souhait, là, sans le BRH prendre décision, ça. Oui, mais pour qu'il y ait un dollar, là, un goût de la pâte à souhait, ça, c'est l'impact. Il faut aller vers la cause. C'est l'improductivité qui existe dans l'économie qui a causé ça. Et moi, dernièrement, sur les derniers chiffres, la douane, là, la douane dit qu'ils font une grosse recette pour le mois de juillet. Bon, c'est vrai, c'est intéressant, là, qui permet que l'État et moi, vous fassent fonctionner. Mais là, de faire mon père tout, parce que ça, t'a dit tout, nous importons plus. Importons plus. Parce que là, ça, ouais. Plus bon, c'est DGI. C'est déjà il faut plus le quoi, il dit, il y a une chose qui a créé, on a payé taxes, on a moyen pour payer taxes. Mais là, c'est là qu'on fait un gros chiffre ça. Ouais. Il t'a lui inquiété parce que ça lui dit que nous envahissons parce qu'avec le produit qu'il y a sur l'autre côté. Bon, et ces indicateurs là, on va utiliser pour le bon, meilleure compréhension de réalité économique là. Ce sont des instruments, ça, on fait là, on utilise un indicateur, collection de taxes. Ça, je pense que c'est ça lié en fait. C'est que on a importé en pile produit fini. On appelle les produits intermédiaires, les intrants et les produits finis. Et pour le moment-là, l'État a dit autrement, si par exemple, au lieu que nous importons pile produits finis, nous importons pile intrants, qui n'a pas facilité en production locale, ou bien nous importons des machines. Mais malheureusement, dans le cas de nous, c'est exactement ça qui veut, côté que c'est nous importons pile produits qui finit et qui pas transformé encore. C'est ça. Parce que l'idée, c'est pour créer la chaîne de valeur locale, il faut pouvoir amorcer des capacités d'ajouter des valeurs dans les produits consommés, commercialisés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est tout par manque de créativité, mon qui abuse ici tout, qui la cause, qui a un élément qui fait que je dis à nos pauvres toujours? Oui, c'est sûr. Tout pays, et ça n'a pas l'air, là, c'est l'élément de créativité en fait. Tout pays qui adapte le système légal, tout pays qui comprenne l'économie mondiale, parce que si on a les critères que nous pouvons parler de l'ILA, tout pays qui émerge, qui fait développement, ils ont une meilleure part de marché de l'économie mondiale, de jour en jour. Une meilleure part de l'économie mondiale. Et ça traduit en fait que ils viennent adapter l'économie. Ils viennent innover, ils comprennent ça la demande globale et ils investissent dans le secteur. Nous sommes parlés là du secteur du service. Le secteur du service, c'est lui-même en fait qui produit plus de richesses, je dis là. Tout le service. Pour l'économie mondiale, on va regarder un pile pays comme la Belgique par exemple, okay? Qui investit moins de 1% dans l'agriculture, okay? Qui investit plus dans les ressources dans le service. Dans le service, quand je parle du service, je ne parle pas de monde qui a balayé ou bien nettoyé. Je parle des ingénieurs électroniques,
des monde qui a, par exemple, qui a fait design de puces électroniques, qui a fait design de systèmes computer, les méga systèmes, les réseaux, par exemple, les systèmes d'assurance, ou bien, c'est tout, c'est eux-mêmes qui viennent montrer qu'ils produisent plus de richesses plus vite dans l'économie. Pays émergents, les pays créent plus de richesses. Ils ont montré dans l'étude que je fais que ils mettaient plus de poids dans le secteur ça, et ils créent des richesses plus vite. Et les gens qui existent dans le pays, ils ont un niveau de développement qui a accéléré dans les 40 dernières années qui sont passées. 38 pays que j'étudie, ils démontrent, que je présentais dans le livre, qu'ils ont fait un sursaut de plus de 500% de leur produit intérieur brut, okay? Depuis les années 1992. De plus de 500%. Pour les pays, ils ont fait un sursaut de plus de 500%, ils ont une croissance de leur produit intérieur brut depuis les années 1992. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont une quantité d'innovation, ils comprennent les concepts de l'économie mondiale, qui aujourd'hui a passé de 7 milliards, la quantité de gens qui consomment aujourd'hui au niveau du monde, passe de 7 milliards, ils peuvent aller vers les 10 milliards. Tout le monde a consommé en pile. Parce que n'oubliez pas, le plus grand marché mondial aujourd'hui n'est pas la nourriture. Les alliés? C'est l'électronique. C'est l'électronique. C'est la fabrication, production, commercialisation des outils électroniques, dont les puces électroniques, les téléphones portables, les systèmes électroniques. Un pays qui consacre plus de ressources dans faire production, manger, pays ça a tombé dans l'improductivité. Parce que tu dois consacrer un petit cal de ressources pour faire plus manger et consacrer plus de ressources, ok, dans faire production, produit qui gagne plus marge de revenus sur eux. Mais généralement, ici, nous, ça fait pas le travail de créativité, nous plus acheter, revendre. Et c'est ça plus facile là. Combien d'usines de transformation dans le pays là? Mais c'est ça que fait nous pauvres tout. C'est de ça qu'on parle là, de la planification. Le gouvernement doit garder avec agences de développement, avec chambre de commerce, doit faire des études pour analyser secteur porteur. Secteur, l'homme dit secteur porteur, ce sont les secteurs. Il a déjà identifié, moi-même dans le livre, moi, identifié, par exemple, les trois grands secteurs porteurs, c'est l'agriculture. Non pas éliminer l'agriculture, c'est un secteur très porteur. Ça nous dit, c'est que d'abord, il faut investir moins dans l'agriculture pour produire plus, pour augmenter la rentabilité et la productivité. Mais l'agriculture, c'est un secteur porteur. Deuxièmement, la manufacture. La manufacture, la délocalisation, la production des biens matériels. Okay? Ce qu'on appelle les B2B marchés, market. La fabrication des machines. La fabrication des machines, c'est un grand marché mondial. Okay? Et aussi le service. Il y a d'autres secteurs, par exemple, les secteurs majeurs, les industries majeures. Mm-hmm. Il y a d'autres industries mineures que nous identifions dans le livre-là qui baillent un pile service. Et industries à eux-mêmes, avec l'électronique, avec la technologie, il y a de jour en jour une plus rentable. Donc le gouvernement doit suivre ces secteurs, diriger les investissements vers secteurs qui sont moins rentables aux secteurs les plus rentables. Et de ce fait même, mettez des incitatifs là-dedans. Des incitatifs, par exemple, pour subventionner l'agriculture ici. Tout produit qui vient joindre nous ici, ce sont des produits subventionnés. Ils sont subventionnés à la caillou. Non seulement ils sont subventionnés, l'agriculture américaine est subventionnée, l'agriculture française est subventionnée. Et c'est un grand débat en fait dans l'Union européenne, côté que et la France a vendu d'autres pays membres sans taxes, ils ont produit subventionné la caillou. Mais dans le pays, surtout, l'agriculteur a accès à crédit. Ça, c'est l'autre élément, l'accès au crédit. Par exemple, le gouvernement, non seulement devrait subventionner l'agriculture, mais devrait travailler avec les banques commerciales pour identifier des packages côté que et production aéro capable, plus rentable possible. Mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Quand on parle de la production agricole, nous pas seulement parler de du riz. Par exemple, même si nous pas gagné compétitivité à l'enduria ou bien dans les grains, en fait, on parle de du riz, maïs, pois, etc. Mais nous avons toujours une compétitivité dans les tubercules, dans les manioc, dans les patates douces, pommes de terre,
dans les poires Congo, par exemple, qui trait en fait une compétition énorme sur les, parce que on a les produits substitutifs de poires qui viennent dans l'autre pays. Mais les tubercules, les fruits et les légumes, nous capables toujours de compétitivité là-dedans. Donc, on a un mago francique, non, par exemple. Donc, on a un mago francique que nous exportons toujours. Le gouvernement est capable de subventionner ça. Yo. Production, ça. Yo. Ou pas besoin à commencer côté plus difficile là. Nous avons commencé côté plus facile qui moins cher là. La production des tubercules et manioc ou patate ou etc etc, les fruits et les légumes, ok, nous capables de développer en compétitivité là-dedans plus vite que nous sommes capables de faire dans la production des grains ou bien les meubles. Le président Préval devina un concept de bambou. Ben, pour qui ça, par exemple, le gouvernement va continuer à investir dans le secteur bambou. Mais investir là-dedans et pour balancer la compétitivité à la fois que vous update ou innover la politique d'importation des meubles. Vous comprenez ça, Mabdoula, là? Parce que vous avez droit aller mettre en pile subvention ou mettre en pile support de l'industrie. Si ou pas mesurer la quantité d'importation qui vient de joindre, ok, ou qu'a toujours allé à l'envers et que l'industrie a venu après aller au moribond. Et puis surtout, et c'est ça qu'on t'a parlé tout à l'heure, avec Rive Pepe dans le pays, il vient quand même caser, question sans parler, question de production de meubles. Et puis le Pepe a rentré et prio à tout casser ça qu'a fait sur le marché local là, et là ça, on n'a pas le choix que. Allez vers sa capsule de boyau. Mais c'est sûr, c'est génial. L'importation, okay, nous avons presque à passer de 4 à 5 milliards par année. L'importation, presque 4 à 5 milliards par année. Nous ne sommes pas l'état de la douane qui a fait éloge qui est rentré en pile comme dans la douane. Okay? Mais on a parlé de quel produit là? Quelle est la valeur de vie de ces produits? Et qui ça produit ça et va le faire? Ok? Donc, tout ça entre dans des politiques de tarifs, de douanes, qui sont capables et nuit à la production et la productivité nationale au lieu que les propulser. C'est pays émergents, pays que je présente dans le livre, ils ne pas seulement font seul bagaille. Ils ont des lois vers l'économie mondiale, ils ont des investissements vers l'économie mondiale. Il y a des budgets pour supporter la productivité et la production vers, okay, les produits les plus rentables pour créer plus de richesses plus vite. Et il y a des programmes sociaux aussi. Je ne vais pas oublier ça. Dans le moment que nous vivons pour le moment là, avec moins de 1 dollar par jour, la génération passée a transmis mon paquet de problèmes. La génération passée, yo, en fait. Transmettre génération PAM avec Paula, on pile problème. Yo ba nous plus problème que de solution. Nous-mêmes, pour le moment, n'ap obligé résoudre problème, yo te ba nous plus problème que nous gagnons nous-mêmes, que nous créons tout nous-mêmes. Voyez? Donc, si par exemple, pas gagne on adaptation que fait dans l'orientation économique, là, pas une adaptation que fait dans la production, ou bien dans le propulser l'économie vers le développement, eh bien, la transiter problème que nous joignons, plus problème que nous créons, vers nouvelle génération qui a continué le cycle de la pauvreté dans le pays. Et ce n'est pas en fable. Étude que je fais, elle prend réalité sur le fait de chaque jour. Est-ce que l'Haïtien aujourd'hui, en Haïti, a une meilleure vie, un meilleur indice de développement humain que génération passée. Comparé avec la République dominicaine, qui a un taux de croissance de près de 7% par an, est-ce que le Dominicain aujourd'hui jouit d'un meilleur train de vie, des meilleures conditions de vie que Dominicain qui est passé il y a 20-30 années? On regarde les Dominicains moyens, Haïtiens moyens, je dis, on t'a dit cela le jour. Hein? Mais pourquoi? Parce que Dominique et eux-mêmes, ils ont fait un bagage qui est central dans l'économie. Non seulement ils ont fait tout ça, c'est en plus de la stabilité politique, c'est en plus de l'accès au crédit, c'est en plus de tout ça. Dominique et eux font un bagage extraordinaire dans l'économie.
Et m'a regardé, c'est l'ensemble des pays en fait émergents qui fait que nous présenter dans livre, dans livre là. Ils ont diversifié l'économie. Je dis, par exemple, on a parlé de décision de gouvernance, okay, d'investissement en Haïti, on a parlé de production nationale, on a parlé de tout le monde, c'est de l'agriculture, il a parlé. Alors qu'une seule industrie peut amorcer le développement. Il est nécessaire, mais pas suffisant. Ou besoin de diversifier les industries créatrices d'emplois qui augmentent le produit intérieur brut et le standard de vie de l'haïtien moyen. C'est ça. Moi-même, dans l'étude que je fais, dans le dialogue que je fais, dans le livre que je publie comme spécialiste en développement, c'est ça que je joigne. Et ça me joigne basé sur des faits, sur des réalités tangibles. Pas une économie qui développait, je dis à là, avec une seule industrie là-dedans. C'est pas possible. La diversification des industries, ok? Par exemple, il n'y a pas seulement industrie agricole, il y a une industrie agricole florissante. Il y a une industrie et manufacture de florissante. Nous regardons un rapport Banque mondiale, c'est dans l'annexe de passé. Là. Produits dominicains aujourd'hui, ils sont plus compatibles avec le marché européen et le marché nord-américain que le marché haïtien en termes de standards. De production, de jour en jour, n'a pas amélioré. Enfin. Donc, ils ont gagné en productivité au niveau des industries manufacturières qui ont avancé de jour en jour pour l'adapter vers l'économie mondiale. Maintenant, troisième bagage que vous faites dans la diversification dominicaine, ils ont aussi introduit l'élément de service. Pas oublier, ça me dit tout à l'heure, l'industrie de service, c'est l'industrie la plus rentable aujourd'hui. L'industrie de service. Et on va regarder en termes d'investissement privé, la proportion, le pourcentage d'investissement qui allait dans l'industrie du service, ok, les plus forts en République dominicaine par rapport à la manufacture et le service, ok, qui ont même bah, ont plus de rentabilité. Donc de ce fait, 7% de taux de croissance qui est par année, n'est pas le résultat d'un hasard, le résultat d'une planification des outils de gestion et de gouvernance que ont identifié à travers des études précises que ont fait et des décisions que ont prises en conséquence. Alors, on ne peut pas négliger tout ce qu'on dit là, vous le faites, il faut des gens qui vous faire, des gens qui qualifiés, des gens qui compétents. Pas trop longtemps, vous avez un rapport pour programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui dit puis il faut des ressources, puis il faut des compétences pas dans le pays. Alors, comment vous allez arriver à planifier le développement Abdiya avec des ressources qui ne sont pas qualifiées, pas compétentes? Non, mais nous pas arriver dans ce stade côté que nous avons le choix là. Nous pas arriver dans ce stade côté que nous avons le choix parce que nous avons une économie. Par exemple, l'année dernière, l'économie a un taux de croissance de 1,2%, 1,5%. Après ça, avant ça, c'était 1,2%. La plus mal là pour année ça. Année ça, moi, c'est, si nous continuons comme ça, par exemple, moi-même dans le business, moi, si je fais des projections, je prends des mesures managériales, je fais faillite dans plusieurs entreprises que je possède. Dans plusieurs entreprises que je possède, je fais faillite. Et c'est plus de monde qui est au chômage. Je pense que si l'économie continue comme ça, la bon taux de croissance négative, en taux réel. Et ça traduit aussi en termes d'inflation, en termes de tout indicateur qu'on connaît dans l'économie. Et aussi en question de niveau de vie de la population. Mm-hmm. Moins que mon yogin. Gain emploi, c'est moins ce que vous avez revenu, c'est moins ce que vous êtes capable et acheter les produits de base que vous nécessitez. Malheureusement, pas des emplois de qualité, forcément. Bon, d'ailleurs, là, nous avons parlé de. Parlons d'emploi de qualité, ce n'est pas un miracle. C'est encore le résultat d'une planification. Et la réalité que nous vivons aujourd'hui, là, ça veut dire que dans les générations passées, les décideurs politiques, les organismes de pression, les organismes de la société civile, les organismes, les organes, par exemple, économiques, ils n'ont pas de focus assez sur des outils ou bien des investissements qui favorisent assez de développement. C'est ça que fait aujourd'hui, nous avons un état que nous sommes là. En fait, nous avons parlé de main-d'œuvre là. Ressources humaines. Ressources humaines, non. Eh bien, si nous avons parlé de main-d'œuvre, ce n'est pas comme si on a le choix pour le développement. Haïti est obligé de faire un développement si nous ne voulons pas tomber dans le gouffre. Parce que grand monde qui a parlé dernièrement, nous avons parlé de. On collègue qui a parlé dans la télévision, il a parlé de Haïti non problème humanitaire. Nous pas non problème humanitaire. Nous non problème, nous non situation de suicide collectif. Lorsqu'il y a plus que 100 000 personnes qui ont mouru de choléra
choléra impossible dans les pays développés. C'est le simple procédé d'hygiène qui résout un problème de choléra. Se laver les mains et d'avoir l'eau disponible et le savon pour se laver les mains. Et avoir de l'eau propre à boire. Eh bien, on voit un espace pour mieux faire, pour déféquer. Pour déféquer. Ça aussi, c'est des indicateurs de développement. Que nous pas gagnons aujourd'hui parce que décideurs ou bien monde qui fait gouvernance, qui dirige le pays, pas de prendre des mesures il y a 15, 20, 30, 50 dernières années. Et pour nous gagner dans l'avenir, nous pas gagner le choix. Nous pas arrêter sur cet indicateur que nous pas gagner aux sous-humaines. Nous pas gagner aux sous-humaines. Mais un peu là de pas dans le pays. Et ça fait pas dans le pays est parce que nous pas créer conditions pour là tout. Bon, exactement. Ça veut dire que nous pas retourner. Nous gagner diaspora. Bon, nous pas rentrer dans le critère est-ce que oui ou non il y a tourné dans quelles conditions. Mais les ressources humaines, c'est une caractéristique. Et je ne pense pas que nous avons un problème de ressources humaines parce que dans pile la production mondiale qui a fait là aujourd'hui, il y a fait avec, par exemple, des entreprises comme Siotab qui a produit des instruments électroniques. Comment ils ont fait? C'est des formations que un groupe de femmes, rapidement, dans 2-3 mois, qui a produit des tablettes électroniques. Je pense que nous avons assez de monde qui, je ne dis pas que formé assez, mais qui est capable de recevoir formation pour produire pour l'économie mondiale. Je ne pense pas que nous avons un problème de ressources humaines qui n'est pas à résoudre. Je pense que nous avons un problème de ressources humaines, mais le plus gros problème, c'est un problème de vision, un problème d'innovation, un problème d'incompréhension de la planification de l'économie, un problème d'incompréhension des outils de développement. C'est le plus gros problème à Haïti confronté. Et dit une stabilité politique car une marque fabrique qui fait pays ou pas qu'à développer. Vous d'accord avec ça tout? Non, alors, tout à l'heure, je dis ça, en fait, Serginho. Tout ça, m'a dit là, et c'est des corollaires en plus de l'instabilité politique. L'instabilité politique, c'est un principe récurrent dans tout pays sous-développé. L'instabilité politique, c'est dans tout pays que m'étudier qui sous-développé, l'instabilité politique là toujours présent. Encore, on va parler de la violence. Des pays comme le Mexique, des pays comme la Jamaïque, il y a un peu de violence là-dedans, mais elle pas freiner le développement. Parce que la violence, ça n'a pas transformé en instabilité politique. L'instabilité politique se traduit principalement par des problèmes récurrents, okay? De mauvaise gouvernance, d'élections par exemple. Le bac a renouvelé classe politique. Des élections qui se passent sur Haïti, facilement dépensé plus de 300 millions de dollars dans faire des élections. Élections plutôt assez longues, hein, puisque 22 mois. 22 mois, nous perdons du temps, nous perdons du cob, alors que dans notre pays, ça prend 2 semaines pour planifier une élection. Alors l'homme dit faire une élection, ça prend toute l'année pour la planifier. Mais en fait, pour faire l'élection, ça prend une semaine ou deux. Parce que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Et deuxièmement, regardez un pays tant que l'Inde. C'est un pays avec des milliards de personnes, avec des conditions climatiques excessivement difficiles. Malgré ça, ils ont planifié des élections avec un taux de participation de plus de 50%. Comment nous-mêmes, un pays tropical, nous dispersés en fait dans les montagnes, mais qui est accessible, comment nous-mêmes, en fait, qui gagnent environ 10 millions de personnes, 10, 11 millions de personnes, nous avons un taux de participation aussi faible. Donc, tout ça entrer dans la question de la planification, planifier le développement, et tout ça entrer dans le fait que nous planifier le sous-développement au lieu de nous planifier le développement. Tout ça entrer dans le fait que, à long terme, nous travaillons très dur pour nous rester pauvres, parce que nous pas apprendre de nos erreurs, nous pas innover l'économie, nous pas comprendre l'économie mondiale. Du moins, nous parler de l'économie mondiale, nous théoriser sur l'économie mondiale, mais dans la pratique, nous qu'embé économie isolée dans des productions obsolètes que nous consommons dans la même nature que nous produisons là. La production agricole aujourd'hui passe par plusieurs type de transformation avant d'être consommé. Et nous-mêmes, je dis, ah, ça nous produit de manière agricole, là, nous juste consommons la même nature. Là. C'est-à-dire, l'économie n'est pas accélérée. Est-ce qu'on a une étude qu'on fait à tout pour remarquer l'international, bon poids,
dans le pays qui dans la situation en Haïti, par exemple. Bon, l'international toujours bon. Pour pas oublier dans le contexte de globalisation qui a existé là, ou pas qu'à éliminer l'influence étrangère. Bon, même aux États-Unis, même qui c'est la plus grande économie mondiale, avec plus de 20 000 milliards de dollars, la plus grande économie mondiale, en pile américain à plein, et de ce fait, il y a un congrès là avec le président Donald Trump pour une question d'influence de la Russie dans leurs élections. Ou pas capable d'éviter l'influence étrangère. Ça, ou capable de faire. Ou capable d'éviter que l'influence étrangère là nuit à votre développement. Et comment on est capable de faire ça? C'est, par exemple, amorcer un plan de développement, organiser tête. Par exemple, leur demander au moins, pour faire élection, obligé de compter sur des forces étrangères qui pourraient aider au faire. Eh bien, ou planifier, ou mettre tête disponible pour ingérer dans l'élection. Par exemple, mais même si vous n'avez pas demandé au COP pour faire élection, il y a plus de forces étrangères qui t'a venu là-dedans. Et comment planifier tout ça? C'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance qui le fait. Et mettez des balises aussi, en termes de loi, en termes de pratique, en termes de justice aussi. Par exemple, nous-mêmes, il y a un corollaire qui est plus grave dans le pays, hein, en plus de l'instabilité politique. Je parle là des conditions de base. Hein, des conditions de base. OK? Et tant que l'instabilité politique, la corruption, etc., etc., c'est le manque de justice qui existe dans la société. Nous avons une déficience de justice dans la société qui aggrave le développement économique et le développement humain. Parce qu'à chaque fois que nous avons une accumulation d'injustice, tout coup d'état passé, ok, qui closure, c'est dans l'anglais le closure, ça veut dire qui société a, nous ne pouvons pas fermer les portes sous dossier ça. De monde qui mourit chaque jour, nous ne pouvons pas fermer les portes sous dossier ça. Il y a une déficience de justice qui nuit au développement humain dans la société. Et c'est même bagage ça qui colère, qui a des incidences sur d'autres aspects de la gouvernance. Un peu, Montana a dit sur la société qui manque de sanctions contre monde qui fait des zones. Bon, c'est ça, par exemple, les gens qui ont fait ingérence, force étrangère qui ont fait ingérence dans l'élection, c'est à travers des acteurs politiques locaux qui ont fait. Ce n'est pas un monde qui vient dans le conseil électoral là, qui mettait tel monde président. C'est les conseillers qui utilisent. Et qui mesure punitive, qui prend qui, devant qui juge passé pour jouer une punition sous ça. Donc de ce fait, puisque par un système de justice qui punit les fautes, donc de ce fait, nous encourageons Mounio à agir dans le sens contraire à la justice. Et qui en fait nuit au développement. Par une société que j'ai étudiée là, qui est arrivée à aller loin sans les conditions de base, sans la lutte contre la corruption, sans la justice. Moi, je les appelle les conditions de base. Je présente les conditions de base là, dans le livre là rapidement parce que tout est connu, en fait. Tout le monde connaît. Là. Parfait. Société de tout, que dis, qui m'a dit de monopole. Ouais, on sait le groupe qui est dans du riz, qui est dans la farine, qui est dans l'huile. Et parfois, on fait mes têtes, on parle de l'autre monde rentrer. Et question concurrence, nous pouvons préparer pour lui tout bon. Et chaque fois que nous décidons de faire même chose à faire, vous sentez gagner des pressions, parfois même des menaces contre des cas exercés. Et nous avons dénoncé ça le plus souvent dans les médias. Est-ce que ça trouve un facteur qui fait que je dis à Haïti toujours côté lié à tout? Oui, c'est un facteur que moi découvrir. Ce n'est pas que je découvre, tout le monde connaît, nous pouvons, à travers des chiffres publiés, son étude que nous faisons. Mm-hmm. Étude de 38 pays, son étude scientifique. Comme chercheur, je prends 2 ans pour m'étudier. Et non seulement le pays n'a pas planifié le développement, deuxième bagaille, au niveau d'écart dans la disponibilité des ressources, des pays inégaux. Richesse mal partagée. Il y a extrêmement, non seulement richesse très faible, mais la richesse qui existe est extrêmement mal partagée. Yeah. C'est-à-dire qu'on a une quantité de monde, et des pays comme l'Afrique du Sud aussi, qui ont un pays qui est plus inégal au monde. Et même Haïti, que nous vivons là, dans, il y a près de 3% de monde qui contrôlait plus de 50 à 60% des ressources payées, alors que reste majorité de monde, il y a une petite quantité infirme pour les départager entre eux. Mais pourquoi ça existe? C'est aussi voir les faits, analyser les faits, mais se poser la question pourquoi? C'est l'absence de bonne gouvernance.
Parce que nous avons une quantité de monde depuis 1804 qui vivent dans la pauvreté extrême, qui n'a jamais transité en fait vers un mieux-être. Il y a une quantité de monde, la majorité en fait des Haïtiens, à vivre dans la pauvreté extrême depuis 1804. Il y a des mondes de générations de grands-grands-grands-grands-grands-pères qui vivent dans la pauvreté, de générations de 5, 6, 7, 8 générations qui n'ont jamais transité vers la classe moyenne jusqu'à aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, pourquoi, quelle forme de gouvernance a pérennisé ce cycle de pauvreté pendant des années? Et en quoi est-ce que les détériorer, les déléter conditions de vie que nous avons aujourd'hui à la? C'est la question qu'il faut poser. Et c'est réponse à yon dans le livre là, parce que en pile dans condition délétère que Haïti, qui causait Haïti côté lié là, c'est aussi des mêmes causes qui existaient dans l'autre pays. Yo. La question de la mauvaise gouvernance, la planification de l'économie, c'est aussi investir les ressources dans les industries les moins rentables, parce que nous n'avons pas étudié l'industrie qui est plus rentable. C'est aussi pas introduire des programmes sociaux qui répondent à des problèmes sociaux. Nous introduisons des programmes sociaux qui répondent à des besoins politiques, au lieu que nous réellement introduisons des programmes sociaux qui répondent à des besoins sociaux. Donc, le développement, c'est une science. Je dis à moi-même, par exemple, comme un jeune Haïtien qui exporte du savoir, ok, qui produit du savoir d'Haïti, qui est disponible pour nous-mêmes Haïtiens et aussi le monde extérieur, moi, porter par exemple, recherche ça, qui permet de nous prendre des mesures concrètes, des mesures sérieuses qui permettent de nous améliorer et le standard de vie et l'économie dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Mon capitaine de Cap-Gadou là, et Daniel Jean-Louis Takadi, ce côté nous aujourd'hui, c'est pour moi spontané. Son choix, en fait, son construction. C'est ça. Et le résultat de choix que nous faisons, et qui fait que je dis à Haïti là, en fait, c'est pour fatalité. Yeah. Nous avons changé, nous avons renversé cette tendance-là. Et la question, c'est qui ça n'a pas le besoin de faire à court, à moyen, à long terme, pour que nous avons l'autre pays, pour un pays qui a peau du pauvre, pour un pays côté classe moyenne, ni un, je dis à Marie, trois possibilités pour le dégager, mon pays côté, un minimum, un standard de vie. Ouais. Alors, c'est question ça. Qui ça a besoin de faire, je dis à pour que Haïti sorte d'un niveau pauvreté pour le Takavini. Et j'ai un peu le monde souhaité là, un pays émergent. Alors, avant de répondre à une question, bon, me permettre qu'on me propose. Je vais souffrir pour une petite classe. Et puis, on va retourner avec réponse de Daniel Jean-Louis Calbanou par rapport à la question. Ça, au sous télévision nationale d'Haïti, on va suivre mise au point. Invité de matin, Daniel Jean-Louis. Régine a proposé et puis on va retourner. Séminaire, mariage, baptême, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Nous retournons, nous avons dit avant pause là, ça nous est là aujourd'hui, c'est pas un bail spontané, son construction est venu de choix que nous faisons. C'est bon, fatalité, nous avons changé. Maintenant, comment on va cette tendance, Daniel, je lui, que ça nous a fait jeudi à là, et il y a un monde qui dit, voilà, tellement compliqué, est-ce que c'est pas un cas perdu? Qui s'en répond nous-mêmes? Non, Haïti n'est pas un cas perdu. Dans l'étude que nous faisons là, avec pays qui est plus mal basé à Haïti, comme la Corée du Sud, comme le Vietnam qui se tient en guerre, comme l'Éthiopie, ok? Pays ça, en groupe 38 pays que m'étudie yo, yo arrivé augmenter produit intérieur brut de plus de 500%. C'est des pays qui étaient plus mal passés à Haïti dans les années 1960. OK? Nous-mêmes nous gain type de difficultés particulières avec nous, même gens yo même yo gain des difficultés particulières à yon de l'autre. Mais procédés de développement yo été les mêmes. Mis à part de la culture, les différences sociales, les techniques de développement restent les mêmes.
Et toutefois que nous pas changer de comportement pour nous appliquer au lieu de résister, pays a toujours été pauvre. Tout le temps que nous pas arriver non côté que nous apprendre comment faire le développement. C'est pas seulement dans les livres, c'est dans la pratique, ce sont les décisions que l'on fait chaque jour. Nous ne sommes pas les ça en long et large dans les questions budgétaires, OK? Il faut et 4 secteurs, par exemple, de doit prioriser dans le budget. C'est ça tout pays développement est fait, en voie de développement est fait. La santé, l'éducation, la justice, les infrastructures, OK? Ces secteurs, ça, où doit investir au moins 15% dans le budget chaque année. Et 15% dans le budget, ça, on investit là-dedans chaque année. Faut 90% dans 15% ça, aller dans le programme souterrain. Il ne doit pas aller pour payer per diem, staff, acheter machine. Il doit aller pour payer médecin, faire rénovation dans l'hôpital, construire des salles d'école, acheter des laboratoires, payer professeurs, okay? Construire route. C'est ça qu'il doit faire. Tout le temps que nous-mêmes, par exemple, nous faisons le contraire et nous espérons un résultat meilleur, c'est tout le temps qu'on a sombré tête nous dans le mensonge. Et de ce fait, non, 50 dernières années, ça a passé, ouais, ça mensonge fait nous. Nous espérons un développement alors que nous ne prenons pas les décisions qui a propulsé nous vers le développement. Je veux dire rapidement, et par rapport à ça, nous avons comme réalité sociale, économique et politique, qui sont de fait, qui t'a plus nouveau un signal que nous avons vu sortir de côté nous hier. Bon, bah, c'est beaucoup d'ailleurs, le gouvernement mérite d'adapter le budget. Pour le moment, nous n'avons même pas de budget. Déjà dépassé à l'étude là. Vous comprenez. Et donner au changer complètement. Vous comprenez. Et c'est même nous-mêmes dans quoi qu'a dit que nous avons aimé Haïti changer. Mais ce n'est pas un miracle. Ce sont tous ces instruments-là qu'il faut et utiliser à des fins de développement. Il n'y a pas de secret dans la fabrication des colas, mais pour le moment, nous presque arrivés dans la fin d'année fiscale, là, nous n'avons pas un budget voté. Nous n'avons pas un budget voté. Et même budget voté, regardez qui pourcentage qui allait dans le secteur, ça va me dire, là, qui sont les secteurs de base pour propulser le développement économique. Et deuxièmement, même sous un secteur de base, ça a une quantité de budget dans l'économie, hein, faut que le gouvernement planifie le développement économique. Il faut qu'il y ait des études qui faites, claires et nettes, qui industrie mérite plus d'investissement, qui est-ce qui mérite moins d'investissement, et prioriser l'exportation. Prioriser l'exportation qui représentait une opportunité illimitée pour les jeunes Haïtiens capables de créer richesse, créer emploi pour l'économie et haïtienne. Mais il faut une capacité tout, produit en quantité. Bon, il faut planifier ça aussi. Il faut planifier ça aussi. La capacité de production se planifie. Parce que l'acquisition de machines, l'acquisition des connaissances de procédés de production, ce sont des aspects qui peuvent être appris. Et parce que des produits échangés dans l'économie mondiale, il n'y a pas aussi compliqué que vous pensez. Hein? Avec la spécialisation. Qui c'est des bagages que me traiter dans le livre moi hein, en fait. Mais là qu'on a faut pas le booster monsieur dans le secteur privé pour comprendre que bah là pas de rester non acheter ou vendre. Oui, dans le secteur privé, c'est un partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et la société en ensemble. Mm-hmm. Parce que normalement, on se parle de l'instabilité politique, les outils budgétaires, les outils fiscaux, politiques, etc. Mais aussi gagner Et la question de l'investissement. Mais comment on va investir? C'est le gouvernement en fait, qui peut avoir des lois incitatives. Il faut améliorer le climat des affaires. Il faut améliorer le climat des affaires qui sont un résultat des questions politiques, économiques, sociales dans le pays. Bon, on va parler de mental là. Mental là, tu es déterminé dans la question de développement. Ouais. Mon mental là, très important. Nous pas, alors, on ne peut pas prioriser ça dans l'étude moyenne, mm-hmm. mais c'est un déterminant qui est très solide hein, dans la question de développement économique. Et dans les questions de développement humain aussi. Parce que je dis à mon quoi que qualité mentalité que nous avons là, il est bon frais. Alors, parler de mentalité en termes culturels et sociaux, bon, il y a un pile malade mental, des gens malades mentales, maladies psychiatriques, etc. Mais c'est clair que le type de mentalité nous avons là, c'est le résultat d'un sous-développement qui planifiait depuis les 50 dernières années, depuis l'indépendance même, on a planifié le sous-développement. Au lieu que nous planifions le développement.
Et c'est changement ça. C'est retour ça. C'est coupe 360 degrés ça nous obligé faire pour nous utiliser les outils économiques, les outils de planification budgétaire, de loi, etc. pour nous planifier un développement au lieu de nous planifier le sous-développement. En d'autres termes, il faut nous travailler dur pour nous développer au lieu de nous travailler dur pour nous sous-développer. Le miracle haïtien est possible, je dis, alors regardez ça, là. Bon, je pense que le miracle est possible, la planification, le développement est possible. La planification, le développement est possible et je ne pense pas que nous avons le choix. Je pense que nous avons le choix, c'est ça qui a retiré nous dans la trajectoire de suicide collectif que nous y est là. Est-ce que vous comprenez ça tout? Vous comprenez ça et vous regardez ça dans le fait là? Et c'est ça qui est le gros problème, nous ne pouvons pas finir par comprendre ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a bien nous aussi dans la trajectoire ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça et nous ne pouvons pas prendre en plus pour nous et travailler dans implémenter, exécuter des plans de développement. Nous plus focus dans des questions de court terme, de politique et quantité de ressources nous mettre là-dedans, quantité de discussions qu'a fait dans la radio, c'est ces questions politiques qui est important aussi, mais qui pas ta doit surplanter discussion investissement calé dans planification développement que n'a fait dans société noire. Ou optimiste? M'optimise oui ou non? M'optimise dans le sens que aujourd'hui gon démocratisation qui est plus claire, qui est plus nette dans la société. Moun yo plus comprend le droit démocratique. Ça me parle en dictature possible en Haïti pour le moment. Du moins, c'est une dictature ouverte. Ce qui est des formes de gouvernement, nous avons là, c'est de la dictature. Des dictatures ouvertes, comme on a sous Divalier ou bien moun qui passe là, impossible. Parce que moun yo, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, yo comprennent le droit démocratique yo, et ils ont goûté pour lui. Donc, dans le cas, je suis optimiste. Mais transiter, transformer, gain démocratique ça, en des procédés de développement, l'âme pessimiste parce que je ne sais pas ouais, que dans l'étude que j'ai fait, et tout ça m'a fait dans le pays, que nous comprenons comment pour nous faire transition ça. Mais là encore. Ça manque nous, selon vous, pour nous finir. Ça manque nous. Il manque nous l'amour. Amour pour le pays, pour peut-être nous, pour le prochain nous. L'amour pour soi et pour ses prochains. L'homme garde, est-ce que moi imagine en haut? Est-ce que vraiment? Est-ce que c'est frère moi? Si je pas arrivé égal à tête moi dans dimension ça, je comprends parce que je plus clair, je suis bien basse, parce que je suis société, je position socio-économique qui est meilleure, je suis bon basse, je ne fais rien pour m'améliorer les conditions. Et de ce fait, moi-même, je suis toujours haï. Un raillement qui vient dans le traitement de l'autre qui ne peut jamais résoudre. Eh bien, tout le temps que nous ne faisons pas ça, tout le temps que nous ne arrivons pas aussi exécuter, planifier, exécuter des outils qui pour améliorer les conditions de nous tous dans le pays. Tout ça dit là, où est-ce livre là et qui est le livre là sorti? Le livre là a sorti dans un mois comme ça. Il est disponible sur Amazon et il est disponible dans quelques librairies dans le pays à tout. Et disponible en pile conférence, en pile interview aussi pour expliquer okay, pourquoi on a planifié le développement en Haïti et qu'est-ce qui peut être fait. On a planifié le développement ou le sous-développement? On a planifié le sous-développement, évidemment, mais le développement peut être planifié et qu'est-ce qui peut être fait. Et moi, c'est dans un mois, tout le monde y aura disponible pour faire et je vais commencer la traduction. Hein. Cap disponible de dans un petit temps encore après parution ouvrage ça qu'a fait dans pays A et au niveau du marché mondial. Alors je lui remercie un peu parce que tu es disponible pour nos matins. C'est génial, un plaisir. Au revoir et à bientôt. Voilà, notre invité ce matin, l'entrepreneur Daniel Jean-Louis, qui travaille dans la question de développement, spécialiste dans le développement. Pour nous regarder aujourd'hui à côté de l'IA qui fait là et si nous besoin changer, qui ça nous besoin fait pour nous sortir là-dedans. Merci un peu, vous êtes avec nous en direct. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.